Bonjour à toutes et à tous, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de la Sif Adventure. Je me suis un petit peu préparé depuis la dernière fois, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous allons aller dans le petit donjon. Je me suis préparé en conséquence, donc je me suis pris un deuxième seau d'eau, j'ai farmé ma torche et je fais cuire un peu plus de viande. Bref, voilà, je pense que on est paré. Juste avant, on va quand même se faire un petit portail. De retour. Histoire qu'on soit bien. Alors, là, il y a déjà un portail d'ouvert. What the fuck? On le tente ou pas? On le tente. Ça marche pas. Donc, ça doit être un portail dans une autre dimension, voire même vers la lune, en fait, peut-être. Donc, bon. Voilà. Oui, ça également. J'avais pas fait gaffe. Ça, c'était pas vraiment affiché. Mais on a un donjon qui est pile derrière notre baraque. Donc, c'est cool. On en a un qui est là, on en a un qui est là-bas. En sachant que c'est deux boss différents, celui-ci si je me rappelle bien c'est le Ghast. On l'avait fait, je crois que c'était le dernier boss qu'on avait fait, donc bah c'est cool. On pourra aller l'affronter dès qu'on sera stuffé en conséquence. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va explorer le labyrinthe, voir un petit peu comment on s'en sort. Et puis je vais monter un tout petit peu. Hop, voilà, mon petit son. Et puis bah c'est parti, écoutez, on va essayer de pas trop déconner. Je vais prendre mon eau, même si bon, hop là c'est, ok, très bien, un peu trop rapide, c'est pas grave. Hop, alors, oula, alors regardez, on a déjà le monstre que je vous disais la dernière fois qui a... Ah non, c'est pas lui. Ah mais oui, le portail est là en fait. Ah bah du coup parfait. Ok, bah là ça marche maintenant, allez comprendre. Bon bah c'est bon, on a un portail retour. Bon, on va torcher tous les endroits que l'on n'a pas encore torché. L'idée est clairement, regardez comme ici par exemple, de récupérer du stuff. Hop. Alors, ici on a des stylifs. Et avec des stylifs on peut faire un casque. Bah écoutez, regardez, parfait, on va commencer directement à se stuffer. On va se faire directement... Bonjour. Excusez, je peux me crafter quelque chose s'il vous plaît? Merci. Hop là, on peut commencer direct. Et ça a un projectile protection 2, donc c'est pas trop mal. Hop, voilà, bon, à part que... Mon œil, je n'y vois plus rien, désolé. Oh. Nous avons eu un raw myth, donc c'est de la bouffe. Et on a eu ça également, Charm of Keeping. On peut faire un Charm of Keeping 2. Bon, très bien. Au moins, on est pas mal. Donc voilà, l'idée, c'est clairement de se stuffer complètement en Stylif Helm. Enfin, helm, en stylif armor. Afin d'être paré, même si techniquement, là, comme je le disais, nos armures actuelles sont plus puissantes. Hein. On va pas se le cacher, mais... Oula, ça c'était un creeper spécial. Mais voilà, on va essayer de faire les choses bien avec les armes et les armures de cette dimension. Vous pouvez dégager, vous? Bougez de là! Voilà, parfait. Waouh, là-bas. Ah oui, alors ça. C'est une zone à torche. Je crois pas qu'il y ait besoin de... Enfin, je crois pas que ça donne quoi que ce soit, hein. C'est juste une petite zone à torche comme ça. J'ai vu que certains avaient trouvé qu'il s'était pas passé grand chose dans le dernier épisode, c'est vrai. Après comme je... Putain, plus rapide encore, mais... Il charge. Comme je vous ai déjà dit les amis, enfin, il y a deux remarques qui sont revenues. C'était... La première c'était, ouais, il s'est pas passé grand chose. Et la deuxième c'était... Bonjour la source d'eau. Y a pas, enfin voilà, ce serait bien que tu t'informes sur les modes avant. Alors, il s'est pas passé grand chose, je vous l'accorde, parce que c'était l'installation, fallait quand même pas que je fasse n'importe quoi. Après, c'est quoi ça? C'est juste un bug d'éclairage. Par contre, il y aurait pas des choses derrière ces murs là un peu craquelés, on va voir. Après, que je connaisse pas le mode, comme je vous ai dit, justement, c'est le but. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça me fait rigoler quand on me dit. Oui, mais enfin, ces modes là on les a déjà vus. Mais les gars, on est sur Minecraft. Ce que je fais là, que ce soit en vanilla ou en modé, vous l'avez déjà vu des milliards de fois. Je veux dire, sur Minecraft, les possibilités sont pas non plus... Enfin, c'est infini, mais en même temps, vous voyez, c'est toujours la même chose. Aller miner et tout, au début, tout du moins. Et puis après, bon, ça reste quand même... Voilà, vous voyez. Donc, ça me fait quand même doucement rigoler. Et du coup, vous connaissez peut-être ce mode. Mais, bon, en l'occurrence, celui-ci, je le connais un peu. Mais non, j'ai pas envie de m'informer sur les modes... Avant, justement, je veux me garder ce plaisir de la découverte. Sinon, ça sert à rien, j'arrête la série, dans le sens où...
Bah justement, moi si j'ai mis ces mods, c'est pour donner un second souffle à la série et avoir cette découverte qui me manque sur le jeu Vanilla qui commence un peu à me lasser, vous voyez. Sinon, voilà, j'arrête la série et je fais que des cartes et comme ça, voilà, on découvrira et là il y aura pas de problème. Mais voilà, merde, je suis perdu. Je voulais répondre, il y a eu quelques retours comme ça, donc voilà, vous savez pourquoi. Alors après, vous avez le droit d'être d'accord ou pas, bien évidemment, mais putain, je me suis complètement perdu. Mais je ne me spoilerai pas. En tout cas, ben si, j'essaierai de découvrir, bien sûr. Mais ce sera pas de la. Voilà, c'est par là. Ce sera pas du spoil. J'essaierai de m'informer petit à petit avec vos conseils, entre autres. Voilà. Donc je tenais à réagir là-dessus. Il y a quelques personnes qui m'ont dit ça. Alors après, la grande majorité d'entre vous, bonjour. La grande majorité d'entre vous a apprécié l'épisode. Ça vous a rappelé des souvenirs de voir cette dimension, bien sûr. Mais ah, alors eux ils sont vraiment embêtants parce que oula, barrez-vous, vas-y, crame. Eh bon, ce qu'ils peuvent t'attraper eux, c'est un peu dégueulasse. Alors par contre, si on a besoin de slime ball, cette dimension est la dimension parfaite, hein, j'ai envie de dire. Là, y a quoi? Y a absolument rien. Bon, de toute façon, on est au premier étage ici, pour le moment l'idée est juste de voir s'il n'y a pas quelques coffres. Mais les vrais coffres sont en bas, et d'ailleurs je crois qu'il y a un. Alors c'est pas un vrai boss, c'est-à-dire c'est pas un boss où qui va me looter une tête et tout avec un pseudo et tout. Enfin un pseudo, vous savez, sa barre de vie en haut, comme un Under ou un Wither. Mais c'est un peu genre le petit boss de cette di... de ce petit labyrinthe. Je crois que c'est un Minotaur, donc on va essayer de pas. Ah, se foirer. Alors on continue tranquillement. What? Pourquoi il m'empoisonne pas? Je suis en easy. Ah bon. Ah oui. Bah écoutez, pour le moment on va rester comme ça. A voir un peu parce que. Je sais pas. Oh purée. Trop de choses. Alors là il y a des coffres. Bon ok, on va aller là. Alors là il y a un double coffre. Le problème c'est qu'à mon avis c'est susceptible de péter à un moment. Alors déjà on va faire du tri sur ce que j'ai. Sinon j'aurai jamais la place de tout prendre. Hop, voilà. Deux en plus, c'est cool. Et ici. Merde. Merde. Eh mince, il y a peut-être un bon truc là-dedans. Donc ça c'était un coffre piégé. Attendez, je vais encore monter mon son parce que. Ouais, c'est bon, ça va mieux. Ce qui s'est passé en fait, je crois, il y a une barrière qui est tombée sur une plaque de pression de l'autre côté, mais je l'ai pas entendu, j'avais le son trop bas. Bon, tant pis. J'espère qu'il n'y avait pas non plus un truc oufissime là-dedans. Par contre, c'est la bonne occasion de récupérer ces blocs-là. Tant qu'à faire, vu que je les aime bien. C'est le bon moment. J'espère qu'il n'y avait pas trop de trucs. Bon, j'ai deux sylphes, c'est pas assez, clairement. C'est clairement pas assez. Hop. J'entends masse araignée. Alors je pense que c'est en dessous. Alors c'est en dessous, mais il y a un sol en bedrock. Je sais, ça peut paraître illogique ce que je dis, mais. Mais si, si. Bon, tant pis, écoutez les amis. On fera 100. On va juste regarder ici. Pas grand chose ici. Hein. Après, ça grimpe dans des grottes et tout. Non. Bon, alors je crois qu'on a fait le tour de cette zone. Mais on avait vu une descente qu'on va essayer de choper. Allez, voilà, par là. On est à l'entrée. Ah oui, on est encore. Ah, elle m'a attrapé! Voilà, c'est ça. Hop là. Ouf. Barre-toi, toi aussi. On est encore loin d'avoir fait complètement le tour. Ah, c'est dommage ce coffre que j'ai laissé péter. Mais stop, ça suffit les charges. Mais. Fuck you. Voilà, merci. On va essayer de. Peut-être de descendre direct, je sais pas. Voilà. Ah non, c'était pas un raccourci. Il y avait un chemin quand même. J'aimerais bien arriver dans une grande salle. Ah là, je reviens dans une zone. Ah non, c'est pas une zone déjà explorée celle-là. J'étais venu vite fait en passant comme ça, mais voilà. Ah, je pensais que c'était une descente ici d'ailleurs, vous voyez. Alors qu'en fait, pas. Je suis en train de déjà bien descendre mes torches. D'ailleurs, je vais pas avoir assez de torches. Sérieusement. C'est immense cette zone. C'est vraiment immense. L'objectif est bien évidemment
de ce stuffé. Arrivez-vous. On a déjà le casque. Alors évidemment, je crois qu'on peut faire... Ah, attendez, on va peut-être tester un truc tout de suite. Vu que j'en ai deux. Est-ce que avec ça, je peux également faire... Et oui, je peux également faire. Parfait, alors attendez. On va tout de suite faire ce qu'il faut. Voilà, on a une épée qui a un looting 2, très bien. Bon, c'est 7 attaques damage contre 15. Donc on risque de sentir la différence, les amis. Mais, hop, les roses, on s'en fout. Mais au moins, on sera plus dans le thème. Avec la petite épée, toute petite épée. Vraiment toute petite épée. On sera beaucoup plus dans le thème et... Alors, on va voir. Vous voyez, un peu plus complexe quand même là. Mais... On a looting. Après, je sais pas combien de... Combien de durabilité ça a, une épée comme ça. Parce qu'elle m'a l'air de descendre assez vite. Ouais, elle a l'air de descendre même très vite. Bon, au pire, on s'en refera. Eux, on va les laisser tranquilles. On arrive au bout. C'est un cul-de-sac, oui. Aïe. Arrive. Esquive. Alors ici, on revient où? Ok, avec un endroit, avec un lac de lave. Enfin, un lac de lave. Mais foutez-moi la paix, les slimes. J'ai assez de... Il est sérieux, lui? Il va revenir ou... On parie qu'il revient? On parie qu'il va faire le tour, hein, ou un truc comme ça? Tu vas essayer de me brain? On entend, hein, là. C'est clair, on en entend. On est en train d'arriver vers une zone sympa, j'ai l'impression. J'entends plein de bruit derrière les murs. Ah! Mais... Oula, oula, oula! Vache! Voilà, doucement quand même. Ouais, regardez l'épée. Bon, l'épée, c'est peut-être pas un bon plan. Il y a peut-être d'autres trucs à faire avec... avec Twilight Forest parce que... Ah, regardez, là, il y a des coffres. Voilà, ça, c'est une zone sympa. Sauf que... Ah, d'accord. Okay. Ah, d'ailleurs, on va tester un truc tout de suite. Il m'a looté une arme. Merde. Je vais me faire buter à ce rythme-là. Attendez. On va torcher. On va buter lui aussi. Ok, normalement on est bon. Avec le portal gun, mais je ne sais plus quel toucher. Il y a moyen apparemment. Non, c'est pas ça. Je sais plus la touche que c'est. Oh merde. Je crois que j'ai utilisé la touche. Oui. J'ai annulé mes portails. Merde. Bon, c'est pas ça. Je sais plus quelle toucher. Bon, écoutez, vous me direz éventuellement, parce que là, je ne sais plus. Je casse ça parce qu'il commence à faire bobo. Là, normalement. Ah. Voilà, là, on a des vrais trucs. Ça, on dégage. Et ça, on dégage. Là, on a des vrais bons trucs. Parfait. Voilà, nickel. Absolument parfait. On va prendre. Hop, hop. Ça, on va le prendre à la place de ça. Une pioche, carrément, nickel. On n'a pas genre des trucs dégueulasses qu'on peut dégager un peu. Genre ça. Puis les sauts, ouais, les sauts de lait, tant pis, hein, les amis. Mais alors, on va se mettre ça. On se met en feuille. Donc là, on doit un peu être moins résistant. Et avec 8, on va se faire le pantalon. Et on sera déjà quasi stuff. Une fois. Alors, par contre, quand on les crée, c'est mieux, hein, parce que. C'était quoi ça? Ah oui, c'était de l'émeraude. C'est quand même mieux quand on les crée, c'est vrai. Et du coup, on va prendre ça comme ça. Bon, parfait. On est en train de bien se mettre. J'ai un truc en trop. Poudre de redstone, on s'en fout. Voilà. Et là, du coup, il n'y avait rien. Bon, ça se passe bien. Je sais pas, en fait, s'il y a un deuxième étage. Cool. Habituellement, oui. Enfin, le dernier qu'on avait fait, il y en avait un, mais là... Peut-être pas. Alors, il n'y a pas de plaque de pression déjà. Ah, si. Regardez. Et merde. Ouais, au moins, j'ai pris l'essentiel. J'ai pris l'essentiel, c'est pas grave. Le reste, on s'en contrebalance un peu. Ah, vous. Eh. Barrez-vous! Bête de malheur! Mais sérieux, ils font mal! Mine de rien, je prends beaucoup plus cher.
Oh! Attendez. Faut que je régène parce que alors là je crois que je suis re-arrivé à une zone. Ok, lui est tombé. Et lui. Bah, allez-y, restez là, les gars. Pas grave, vite le temps que j'aille torcher. Non, mais sérieux, pourquoi il y a autant de mobs par ici? Merde, je vais crever. Si je fais pas quelque chose immédiatement, je vais crever. Alors, déjà. Tant pis pour les blocs, on les récupérera plus tard. Wouhou! Commence à devenir chaud. Bon, par contre, je vais devoir récupérer elle sous peu parce que l'autre va me lâcher et j'ai pas de quoi m'en recraft une. Je pourrais savoir ce qu'il y a là pour que ce soit autant la zone du mal. Ouais, c'est ça, il y a une zone. Et oui, c'est pas ce que je pensais. Bon, on va vite torcher. C'est cool, c'est les zones qu'il nous faut. Hein. C'est vraiment ici qu'on trouvera le max de trucs. Toujours pareil, toujours. Hein. En plus, elle crache du feu, je crois, elle. Comme ça. Oh la merde, oh la merde, oh la merde. On va les faire comme ça parce que sinon, je crois que. Au moins, comme ça, on est bien. Barrez-vous. Par contre, faut pas que ça m'arrive par derrière. Nous, on est mal. Barrez-vous! Faut que je pète ça vite. Ok. Ouh. Pas du tout la galère. Bon, j'entends des slimes, mais. Ah! Parfait. Alors. Là, on a masse de trucs. Juste que je trouve le moyen de dégager quelque chose. Alors le... ça on va le prendre. Ça c'est autre chose encore. Ça c'est encore autre chose, c'est cool. La stone pickaxe. Alors ça on va le mettre, c'est plus puissant je crois. Ouais. On a l'air d'un robot comme ça. Ça on va le prendre également à la place de... Ah j'ai trop de trucs, j'ai trop de trucs, il va falloir que je me débarrasse de... Bon et hop ça. Et ça... Les amis... Ça m'a fait mal. Je me débarrasse de l'épée. Elle fait combien elle? Elle fait 6? Sérieusement? Elle faisait 7? Bon elle était un... Merde quoi. Mais celle-là est peut-être plus résistante. De toute façon celle-là va me lâcher d'ici un coup. Donc c'est rien que je la garde. Et ici. J'ai rien oublié d'autre. Non après. Ah si ça. Alléluia! Barre-toi! Oh. Et donc ici, ça on reprend. Charm of Keeping, ça on prend, et on peut en reprendre un à la place de ça. Voilà, TNT, tant pis. Là je prends surtout les objets de la dimension. Bon, on est bon là, on est bien, bien, bien. Avec 5, je peux me faire. Yeah! On va faire ça. Je crois que j'ai abandonné là-dedans, ouais. Juste... Ah au pire les slime balls j'en ai pas besoin de... Enfin voilà quoi. Pour le moment aux F les slime balls peut-être. On va faire... C'est où? C'est là. Hop, hop. Et voilà, on est totalement stuff de la dimension. Donc déjà c'est plutôt good. Et puis voilà, j'ai pas besoin. J'hésite à remonter honnêtement. C'est dommage que j'ai coupé mon portail. Sans, le sans faire grave, j'ai voulu essayer d'attraper le spawner, mais je connais pas bien la touche. J'hésite à remonter. Ah bah. Écoutez, on va finir un petit peu d'explorer rapidement, voir si on peut pas trouver deux, autres, deux trois autres trucs. Ça a l'air plus. Putain, 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 je vais mourir. Ça tient comment ces armures? Ah vous voyez, ah, le stylif c'est pas... Ça c'est bien. Bah, quoique ça, ça descend vite aussi. En fait ça tient pas des masses les trucs que je tiens. Ça tient pas des masses. Faudrait peut-être que je les garde pour les boss. Non. Je sais pas ce que vous en pensez mais...
Ça serait peut-être un peu plus intelligent. Bon, de toute façon, là après, on foncera au boss les fois prochaines. Donc, et on aura d'autres trucs peut-être derrière. Donc, bon. À voir. J'explore rapidement la fin. Et il n'y avait pas du coup, ouais, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de deuxième étage comme je le pensais. Tant pis, hein, c'est pas gênant, regardez, ça y est, on est presque à la fin, on a. S'il y en a autant à chaque fois ici, c'est qu'il y a peut-être un truc intéressant derrière. Bon, après, ça pourrait être intéressant d'enchanter tout ça, évidemment. Il m'a looté du leaf ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ça pourrait être intéressant d'enchanter ce que j'ai eu, bien évidemment. Après, avec de l'unbreak, c'est sûr que. Avec de l'unbreak, ça ira plus vite, forcément. Enfin, ça tiendra plus. Si je peux mettre de l'unbreak dessus, je vais pas dire non. Bah, il est où? Il est parti là-bas, j'ai pas compris. C'est quoi ton délire à toi? Hein? Petite bête. Ok, bah c'est bon, on est au bout. Voilà, on a terminé un petit peu d'explorer cette zone. Aïe. Parez-vous. J'ai pas besoin d'autant de slime ball. Je crois, hein. Ouais, il reste là. Ah, attendez. Attendez, attendez. On n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Ah, c'est un petit endroit, peut-être avec un dernier coffre. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Non, c'est bon, c'est fini. Bon, bah écoutez, je vais rentrer à l'entrée. C'est dit de manière bizarre. J'ai peut-être pas tout trouvé, hein. Il devait y avoir quelque chose que j'ai loupé parce que de mémoire, il y avait une salle avec un monstre un peu plus coriace. Donc j'ai certainement loupé ça, mais... Bon, écoutez, là déjà, de toute façon, j'ai beaucoup trop de choses pour me permettre de... Pour me permettre de partir, enfin de ne pas partir. Donc bon, écoutez, je vais rentrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'essaierai de me renseigner aussi, si ce qu'on a obtenu là, les feuilles et les minerais, vous voyez de quoi je parle, je pense, hein, ça et ça. Si ça s'obtient que dans les donjons, ou sinon où est-ce que ça peut être récupérable, si vous savez. Parce que ça pourrait être bien de s'en faire un petit stock quand même, là on en a pas beaucoup. Bon, on a eu ce que je voulais, c'est cool, au final c'est bon, on sait bien stuff. Enfin, on sait bien stuff, on sait stuff avec la... Plus ou moins, même si je suis sûr qu'il y a peut-être moyen de trouver mieux, mais bon. Écoutez, on va pas non plus trop en demander pour le moment. On est stuffé de la dimension, on dirait un peu Robocop quand même, comme ça. Mais bon, il y a des trucs qui sont enchantés, il y a des trucs qui ne le sont pas. Mais au moins, on est bien. Ouais. Et puis, bah du coup, je pense que prochaine fois, on va aller s'attaquer à une des deux tours. Les deux tours, bref. Je sais pas laquelle, je pense... J'avoue que je sais pas. Je sais pas laquelle entre le ghast ou le sorcier me paraîtrait la plus simple pour commencer. Je dirais quand même celle de là-bas. Vous voyez, pour le coup, ça on a du bol. Hein, parce qu'en général, c'est au fin fond d'une forêt comme ça. Alors on a du bol d'être tombé direct là-dessus. Mais je pense qu'on ira s'attaquer à la première tour qu'on avait vue plutôt. Ça me paraît plus. Alors, ça c'est quoi? Uncrafting table. Oh, c'est cool ça. Ah! Mais du coup. Ah, attendez. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa là. Bon, j'en ai que 3. Mince. On va finir sur un truc, on va tester un truc. On va aller prendre un tout petit peu plus de bois. Regardez, j'ai peut-être une technique du coup pour avoir... bon après, attendez, ça fait quoi ça? Orzm... Ouais, bon, c'est pour avoir une map quoi. Ça m'intéresse moins, je l'avoue. Regardez, on va juste aller péter cet arbre. J'ai peut-être une idée. Si on se fait une uncrafting table, il y a moyen du coup de décrafter, a priori, hein, notre chestplate en feuilles, en trop qu'on a eu. Et du coup, comme ça, on récupérerait des feuilles pour éventuellement
d'autres trucs plus tard. Donc on va essayer, ouais, celui-là là. Vu que j'ai ça, on va essayer de le décrafter. Ouais, on va faire ça. Vous allez voir, ça va être sympa pour la fin. On découvre tranquillement. Yep. 1, voilà, 25 de bois. 6 sera suffisant. Parfait. Alors là, il commence à faire nuit, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment de cycle jour-nuit ici. Ou alors c'est très très léger, on le. Bah alors, on remarque pas. Ah oui, tiens, d'ailleurs, certains m'ont dit tu peux mettre les shaders et tout. J'ai essayé, mais vous allez voir. Ça rend très sombre. Ça rend vraiment très sombre. Et en plus, il y a des petits bugs un peu de luminosité. C'est pour ça que je mets pas les shaders ici, parce que ça rend, vous le voyez, assez sombre. C'est pas tip top, je trouve. Voilà pourquoi j'ai pas mis les shaders. Alors, du coup, une table de craft. Oh. Tu mets ça là. Tu mets ça là. Et du coup, on a une uncrafting table. C'est cool. On va la mettre ici. Et du coup, normalement, si j'ai bien suivi. Ça coûte 8 levels. Comment ça marche? Ah! Voilà, c'est bon. Ok. Marche bien. Ça marche bien. Du coup, est-ce que ça marche avec tout? Oh purée, ça marche avec tous les gens. Énorme. Du coup, par exemple, je peux me décrafter ça si je veux pour avoir plus de minerais comme ça et m'en faire autre chose. Ah, c'est plutôt badass ce truc. Mais même pour la suite de notre aventure dans d'autres dimensions et dans le monde réel, ça faut qu'on le garde. Ça c'est franchement sympa. Ça va nous être très utile. Bon, après les Firefly, bon, je peux. Ah oui, je peux en faire des Firefly. Ouais, ce sera de la déco au pire. Hop, hop. Après, de ce qu'on a eu, Charm of Keeping. Ah, avec un Charm of Keeping. Je peux faire un Charm of Keeping 2. Charm of Keeping 3. Très bien. Bon. On verra. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est peut-être de me faire un. Comment vous appelez ça? Vous me parlez de ça depuis plusieurs épisodes. Et là, évidemment, j'ai oublié le nom. Hein? Enfin, c'est un truc apparemment qui se fait avec du cactus et tout, qui doit se faire en grotte. Bref, je verrai ça plus tard, au pire dans le monde réel. On verra. Donc là, on a 8 stylaves, c'est cool comme ça si on voudra se recrafter quelque chose. On sera plutôt bien. Y a pas juste pour terminer. Twilight. Forest. Voilà, regardez, le stuff Twilight Forest est là. C'est Twilight Forest, ça? Ouh. Bon, ok, j'ai vu un truc que j'aurais pas dû voir, je crois. Je vais voir s'il n'y a pas un arc. Visiblement pas. Putain, tout ça, c'est Twilight Forest, vous voyez, il y a plein plein de trucs. Ah, attendez, peut-être là. Non, 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 je vois pas d'arc. Oh yeah. Oh yeah. Alors, je dis pas qu'on aura tout. Mais on a eu des trucs sympas. Ah, par contre, vous voyez ça? L'Iron Wood Plate est. Oh merde, la pluie. Est répertorié avant le Stylif. Donc peut-être que le Stylif est mieux en fait. Mais le Stylif est moins résistant. A voir. Oh, la pluie. Bref. Ouais, j'ai désactivé les particules qui tournent depuis FK parce que c'est trop dégueulasse sinon. Bref, pas mal de choses du coup sympathiques. On aura. Ça aurait été une expédition bien sympa. J'ai bien aimé. J'espère que cet épisode vous aura plu à vous aussi. Prochaine fois, du coup, on va. En plus, on a des instantiels, c'est cool. On va s'attaquer à la première tour. On va essayer de le faire avec notre stuff actuel. Bon, normalement, ça ira, mais je vais essayer de me renseigner un petit peu pour avoir plus de. Comment on appelle? Trouver un peu plus les autres armures et tout. Où est-ce que ça se trouve? Parce que si ça se trouve, justement, je peux avoir encore mieux avant d'aller. Affronter les boss, ou alors ça se coupe sur les boss, peut-être, je ne sais pas. Bref, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime avant de partir, ayez ce réflexe, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. Et puis voilà, j'ai envie de dire, on est déjà bien. Merci à vous les gens, et à bientôt avec mon petit œil caché là. Boum! Allez, bye tout le monde.